Bon, salut à tous et bienvenue pour une autre vidéo de Mastermind avec 6 espaces les plus difficiles. Bon, la couleur en haut ici, j'avais mal prononcé la couleur. C'est cyan. Il fallait dire cyan en français. Français québécois. Bon, je vais mettre le cyan ici. Je vais commencer à ding. Le bleu là. Le rouge ici. Je peux le mettre n'importe quel ordre. Ça, c'est bien. Bon, orange ici. On va mettre le mauve à côté. Et le rose ici. Le pobis de ce couleur-là, c'est cyan. Ouais, c'est ça, cyan. Ouais. J'avais mal prononcé tout à l'heure, disait cyan, mais c'était cyan. Ouais. Bon, j'essaie, je laisse ça de même. Moi, je dis cyan, rose, rouge, mauve, orange, bleu. Je laisse ça de même. Ah, j'en ai deux bonnes, mais mal placées. Il y en a deux dans la terminaison sont bonnes mais mal placées, puis il y en a quatre là-dedans sont éliminées. Là, tu sais pas lequel. Faut que tu le trouves toi-même. C'est ça le mastermind. Bon. Dès que je vais trouver le tas, je vais dire mastermind. Faut dire que je l'ai eu. Bon, là, le sien peut-être, il est peut-être pas là, mais je le mettrai pas, mais on va voir. Là, je vais mettre le bleu ici. Et le mauve, là. Bon, la couleur, j'ai pas joué, il m'en manque. Hein? Montre le jaune. Le vert. Le brun. Il en manque tout plein de couleurs. Là. Bon, je vais essayer le noir, là. Là, c'est ton petit parce qu'il y a 6 espaces. Ok. Moi, je dis la mauve et la bleue. Les autres. Bon, là, je dis c'est le mauve, noir, bleu, vert, brun, jaune. Je laisse ça de même. 3 bonnes, mais mal placées. Oh boy. Le blanc, j'ai pas mis. Ouais, c'est le blanc, j'ai pas mis. C'est juste la seule que j'ai pas mis, c'est le blanc. Pas si le blanc soit là, hein. On peut se faire avoir. Et je vois ça, toi, c'est les mêmes couleurs. On va inverser le bleu et le mauve. Je vais mettre du blanc à un endroit, là. Des bruns là, puis 3 blancs, hein. Si j'ai tout mis, là. Au jaune, bleu, vert, et je l'ai mis. Tantôt, vérifier rose, orange, je l'ai mis. Mauve, je l'ai mis. Blanc, je l'ai mis. Noir, je l'ai mis. Brun, je l'ai mis. Cyan, je l'ai mis. On t'est. On t'est correct. Bon, là, je vérifie, là. On va voir si c'est le mauve et le bleu sera en bonne position. Mal placé. On va voir si le bleu et le mauve sera mal placé. Et si t'es dedans, on va savoir ça, deuxième rangée aussi. Le mauve, le bleu. Puis le brun. On va savoir ça. Je laisse ça de même. Moi, je dis blanc, brun, blanc. Bleu, blanc, mauve. Là, j'ai des deux de bonnes, mais mal placées. Mais pour toute chance, que ces deux-là, n'est peut-être pas d'altode, hein. Un des deux, soit les deux, ne soit pas là. Parce que c'est rare que ça soit les mêmes. Moi, je dis c'est pas les mêmes. C'est rare que ça soit les mêmes. Moi, je dis c'est pas les mêmes. Et je vais mettre, j'aime bien le bleu, donc je vais garder le bleu. Je vais le mettre ici. Et je vais mettre le brun ou le blanc. Le brun, un bouton d'en droite, il peut être. Bleu, brun, ici. Il faut que je trouve l'autre. Vert. Je vais pas mettre un vert. Puis ici, la rangée du bas, la première rangée. Bon. Bon, en bas, il y a beaucoup de couleurs là, qui peuvent marcher, là. C'est la rose. C'est possible que ce soit la rose sera mal placée, la bleue.
Celle de la deuxième rangée de trois bonnes mais mal placées. Ce serait la bleue. Le bleu, le vert et le brun. Bon, la troisième rangée. Ce serait le brun et le bleu. J'essaye ça. Rose, vert, rose, rose, bleu, brun. J'essaye ça demain. Deux bonnes à la bonne position puis une bonne mais mal placée. Ouais. Ça, le rose n'est pas là. Il y a pour toute chance que le rose soit pas là. Saisis trois. J'essaye le brun et le bleu ici. Donc le vert serait mal placé. Oui, ça serait. J'essaye là. Je vais mettre le sien à les trois endroits ici. Je mets trois siens. Ça peut que ça soit ça. Le sien irait là. Le bleu irait là. C'est ça marche, deuxième rangée. Ce serait bleu, vert, brun. Parce que si vous utilisez entre trois, là, c'est forcément ces trois-là, là. Bon, ici. Troisième rangée. Brun, bleu, ok. Ici, les deux bien placés. Ce serait le bleu et le brun. Le vert serait mal placé. Moi, j'essaye le vert. Cyan, cyan, cyan. Bleu, brun. J'essaye ça de même. Ils entrent aux trois. Donc, c'est possible que ce soit les mêmes. Ben, ça peut pas, ça soit ces deux-là ici. Pour toute chance, ça peut pas être ces deux-là. Ben, j'ai les deux bien placés, une mal placée. Ça peut m'aider. Je vois une seule place, le vert, c'est là. Oui, une minute. Ben, c'est d'oublier la couleur, là. Entre le bleu ou le brun. Possible que ça soit le brun. Il y a forcément un rouge là-dedans. On va le mettre là. Et là, ça marche. Et pourtant, pas deux bruns. Ça peut être ça aussi. Bon. Faut que je donne la première rangée, là. Tu sais, ce que j'ai mis en haut, là. Je me rappelle plus. C'est bleu et vert, hein? Non, c'est bleu et rouge. Non, ces deux-là seraient mal placés. Bon, deuxième rangée. Bleu, vert, brun, ok, serait mal placé. Troisième rangée, ça serait le brun. Puis le bleu, ça marche, ok. Quatrième rangée, ça serait le bleu. Puis le brun serait au bon endroit, il serait au bout. Puis le vert serait à troisième. Cinquième rangée, c'est la même chose. Le vert, il va à troisième. Le bleu et le brun, il va là. J'essaye brun, rouge, vert, brun, bleu, brun. J'essaye ça demain. Quatre à la bonne position. Donc, je suis proche de l'avoir. Quatre à la bonne position. Ça va bien. Donc, là, j'ai trouvé tout de suite les quatre couleurs. Donc, le rouge est là. Le brun est ici. Le bleu est là, puis le vert est là. Oh, une minute. Est-ce qu'il a mis un vide? Ou il a mis deux rouges ici, une là, puis une là. Parce qu'il peut pas avoir du vert partout, il n'y a pas de bleu partout. À part à gauche, il peut avoir du bleu. Teste chez. Je peux mettre du bleu et du rouge ici, là. Ça m'aidera pas trop, là. Moi, je mettrais deux rouges. Le bleu peut aller là aussi. J'aime bien le rouge et le bleu. On va mettre rouge là. Ça peut être ça aussi. C'est une des possibilités. T'sais, le rouge est à troisième. Faut regarder, je l'ai pas vu au même endroit. Ah, t'sais, il va complètement dans le pommier, le rouge ici, il va dans le pommier. Le bleu serait à cinquième. Mon deuxième rangée, ça serait le bleu, le vert et le brun. Donc, il serait mal placé, il serait ben, vraiment mal placé. Ok, le rouge, j'avais dit le bleu, il serait ici, le vert et le brun, voilà. Bon, ici, ce serait le brun et le bleu, il serait mal placé.
Les quatrièmes rangées, ça serait le bleu et le brun. Puis le vert serait là. Septième rangée, ça serait le bleu et le brun. Et ça marche. Le vert serait mal placé. Mais la sixième rangée, c'est le rouge qui est ici. Le rouge à la deuxième colonne. Le vert, c'est la troisième colonne. Le bleu, c'est la cinquième colonne. Le sixième colonne serait à la bonne position et bien placé. Là, j'essaye ça. Rouge, rouge, vert, rouge, bleu, brun. Ça peut être ça, ou soit il remet un bleu à gauche. Ou un vide. Je laisse ça de même. 5 à la bonne position. Oh, il y a trois possibilités à trouver. Trois possibilités. Je suis proche de la trouver, là. C'est un des deux rouges. Moi, je mets le rouge là parce qu'il y a deux possibilités avec le ici, là. Tu vois toujours celle que tu as de plus. Je mettrais le bleu. J'avais parlé du bleu ici tout à l'heure. Là. Dans les 5 bien placés, elle serait totalement au bout, à partir de 2 jusqu'à 6. Les 5 là seraient bien placés. Ces 4 là, c'est ça, ils seraient bien placés. J'essaye le bleu. C'est pas ça, c'est le vide. C'est de 2 de mal placés, je l'ai trouvé. Bon, je laisse ça de même. Bleu, rouge, vert, rouge, bleu, brun. Oh, là, ça m'a aidé. Ça m'a aidé, le vide est ici. J'ai trouvé la terminaison. Voilà, la terminaison, c'est ça. Quand il a dit une mal placée, c'est le rouge qui serait complètement à gauche. Avant, je vérifie. Sur la terminaison, c'est ça. Dans la 9e rangée, c'est la solution, ça. Bon, je vais descendre. Le rouge et le bleu est mal placé. Le rouge va à gauche, complètement dans la première colonne. Le bleu, c'est la 5e colonne. OK, ça marche. Bon, 3 mal placés, ça serait ces 3-là. Bleu, vert puis brun. Bleu, vert, brun, OK, c'est correct. 3e rangée. 2 bonnes mais mal placées. Ça serait le bleu et le brun. Le bleu serait sa 7e rangée, puis le bleu serait sa 5e colonne et le brun sa 6e colonne. C'est colonne, je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, ici. 2 bien placés, mal placés. Donc, le bleu, le brun et le vert sera 3e. Bon, 7e rangée. Le bleu et le brun sera bien placé. Le vert serait sur la 3e rangée. Bon, 6 carbones bien placés. 6e rangée, carbone à la bonne position. Donc, ça signifie que c'est la colonne 2, colonne 3, colonne 5, 6 sera à bonne position. Le rouge, le vert, le bleu et le brun. La 7e rangée, j'étais proche de l'avoir. 5 bien placés. J'étais proche du dernier. Donc, c'était les deux premiers rouges, le vert, le bleu et le brun. Ça serait bien placé. Bon, 8e rangée, c'est là, ça m'a aidé à trouver la terminaison. 4 bien placées, puis une bonne, mais mal placée. Donc, ça signifie que les 4 bien placées seraient le rouge, la 2e colonne, le vert, le bleu et le brun. Le rouge ici, là, sa 4e rangée, ici, là, il serait à la première rangée. La première colonne, je veux dire. Il serait sa première colonne. Le rouge ici sera la première colonne. Là, je fais ça. Je fais rouge, rouge, vert, vide, bleu, brun. Je laisse ça de main. Yeah, je l'ai réussi à le trouver, la terminaison. C'est vrai que c'est difficile, cela, c'est ce trou, mais je l'ai eu. Je suis content de l'avoir. Je suis fier de moi. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vais vous retrouver dans quelques jours pour d'autres vidéos de soit de Mastermind, soit d'autres binéraux. Bonne journée à tous.